Bonjour et bienvenue à l'invité de Thierry Dim. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Michel Balestra. Michel Balestra est le CEO de Balestra Traffic, une entreprise spécialisée dans le déménagement, le transport et le stockage. Michel Balestra, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici chez vous, dans vos locaux. Quand on parle de Balestra Traffic, la première image qu'on a toujours, c'est ce fameux logo de l'éléphant. Première question, pourquoi le choix de l'éléphant rouge? Il nous semblait que l'éléphant était un symbole qui correspondait parfaitement au déménagement, au transport et au stockage, parce qu'il est imposant, il est sympathique, les enfants l'aiment bien, et on sait qu'il est adroit, parce qu'au cirque, on lui fait faire des tours qui sont des tours d'équilibriste. Donc c'est un animal qui est sympathique. Et puis, reconnaissez que pour des transporteurs, c'était mieux qu'une sauterelle ou une fourmi. Alors, en Suisse romande, je pense qu'une entreprise telle que Balestra Traffic n'est pas méconnue du grand public. Vous faites partie de ce qu'on peut dire, vous faites partie des murs de notre paysage. Aujourd'hui, votre secteur est quand même confronté à d'énormes défis. Quels sont-ils d'abord, ces défis? Alors, il y a une énorme concentration avec l'ouverture des marchés. Il y a deux phénomènes. Le premier, c'est qu'il y a une augmentation importante du volume de transport. Mais le deuxième, c'est qu'il y a des concurrences qui sont sur des prix qui ne sont pas comparables. Un transporteur bulgare ou un transporteur polonais n'est pas au même prix qu'un transporteur suisse. Donc, pour tout ce qui est transport international, la Suisse a perdu des parts de marché. Mais au niveau local, il y a du travail à faire. Est-ce que finalement, ce n'est pas la bonne excuse que donnent toujours ces entreprises, c'est-à-dire le fait de dire, oui, on reconnaît que la Suisse, elle est chère, mais aujourd'hui, sur quoi est-ce que vous allez vous démarquer? Alors, il faut bien comprendre que quand un chauffeur qui représente 40 à 60% du prix du transport, suivant si c'est une longue distance ou une plus courte distance, coûte 600 francs par mois, c'est pas la même chose que quand il coûte 6 000 francs par mois. Donc ça, c'est une évidence. Ce qui fait que pour la longue distance, les pays de l'Est sont très compétitifs. Après que nous ayons connu la compétitivité des pays du Sud, qui eux maintenant sont aussi dépassés en compétitivité par les pays de l'Est. Mais ce n'est pas une excuse du tout, mais c'est comme ça. Donc ce qu'on doit faire, c'est s'adapter. Et ce qu'on doit trouver, c'est des marchés qui nous permettent de faire valoir notre qualité de prestation et nos prix. Alors, votre secteur est beaucoup plus confronté non seulement à une concurrence interne, c'est-à-dire avec ce type de peut-être des chauffeurs, mais aussi à une concurrence internationale avec ces grands opérateurs tels que DHL. Est-ce que finalement, on ne va pas vers la mort de la profession? Je pense que pour tout ce qui est intégré au niveau européen, la compétition est telle entre ces grands opérateurs qu'il n'y aura pas dans un avenir proche de place pour un opérateur supplémentaire. Mais il reste quand même, parce que le transport, c'est le sang de l'économie, c'est l'approvisionnement du pays. Et le nombre de transports pour approvisionner un pays est énorme. Déjà 80%, et ça les gens ne le savent pas, 80% des transports sont en compte propre. C'est-à-dire qu'ils sont faits par l'entreprise pour l'entreprise, comme les camions de la Migros, comme les camions de la Coop, comme les camions de l'Holcim. Et puis 20%, c'est en compte de tiers, dont les opérateurs dont on a parlé, UPS, TNT, DHL, Deutsche Post, et les postes nationales, qu'il ne faut pas oublier, qui sont des énormes opérateurs de transport dans leurs pays respectifs. Donc, sur ces marchés globalisés, il n'y a rien à faire. Pour le compte propre, tant que les entreprises ont suffisamment de marge pour payer leur logistique et qu'elles leur apportent un avantage compétitif suffisant, elles garderont leurs activités de transport. Si elles ne les gardent pas, elles essayeront de les sous-traiter à des entreprises comme les nôtres, qui ont peut-être des coûts de fonctionnement qui sont moindres qu'à l'intérieur de l'entreprise en propre. Mais il restera toujours du travail à faire au niveau régional pour le transport dernier kilomètre, pour les déménagements. Et ça, des entreprises familiales comme la nôtre ont une carte à jouer dans ces domaines-là. Est-ce que, au-delà de cette carte à jouer, la connaissance du terrain ne peut pas être un atout pour vous? Alors la connaissance du terrain en termes de productivité est un atout déterminant.
On sait bien, lorsqu'on voyage avec sa voiture, que quand on va dans un terrain inconnu, on perd beaucoup de temps pour trouver une adresse. Et quand on rentre chez soi, c'est beaucoup plus facile. D'ailleurs, même si on ne réfléchit pas, des fois, on rentre chez soi sans le vouloir. C'est bien la preuve qu'il y a une mémorisation du terrain et une productivité qu'on arrive à acquérir. Donc, si un entrepreneur arrive à avoir une équipe de distribution qui a cette connaissance du terrain et qui la maîtrise parfaitement, il peut moduler sa productivité en fonction de cette connaissance. Finalement, nous sommes au terme d'une année qui peut-être pour certaines entreprises a été assez douloureuse, en espérant que la nouvelle année pourra être meilleure. Comment, quelles sont les perspectives pour 2017? Nous, on a bien tiré notre épingle du jeu en 2016. Il y a eu de nouveau des logements libres. Il y a eu de nouveau de gros déménagements d'entreprises. Je pense que dans le déménagement pour l'année prochaine, ça va continuer parce que l'offre des surfaces commerciales est en baisse en termes de loyer et les entreprises auront des perspectives de rentabilité meilleures si elles cherchent des loyers moins chers. Donc je pense que ça va bouger. Certaines vont négocier avec leurs propriétaires, mais d'autres vont chercher d'autres surfaces. Et on a eu depuis 2008 une espèce de morosité avec une stabilité. Mais maintenant, je pense que les entreprises sont conscientes qu'elles doivent se restructurer pour retrouver une nouvelle dimension et une nouvelle productivité. Et tout ça implique des mouvements. Donc, je pense que dans notre métier, l'année prochaine sera bonne. Pour Genève, évidemment, c'est un peu moins drôle parce qu'on a pris déjà un premier coup avec les difficultés de la place financière et on prend maintenant un deuxième coup avec le 68% de nos exportations, c'est l'horlogerie, qui n'est pas dans une difficulté majeure, mais enfin, qui n'est plus dans une progression comme elle l'a été ces dernières années. Donc je pense qu'à Genève, globalement, on ne va pas avoir une année de grande croissance, mais j'espère que, comme toujours, avec notre volonté, notre résilience, notre capacité d'adaptation, on arrivera à maintenir les emplois. Merci Michel. C'est un plaisir. C'est sur ces bonnes paroles que nous allons devoir vous laisser et nous allons vous souhaiter une excellente année 2017. Quant à vous, nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec un nouvel invité. Au revoir.